7 avril, nous sommes à Marseille pour le 39e congrès du Parti communiste français. Et nous sommes ravis de vous accueillir pour cette première émission ici au Faro. Nous sommes dans une très belle salle, une salle qui ouvre le vieux port sur la Méditerranée. Et c'est ici que pendant 4 jours, nous allons au Parti communiste faire notre congrès. Nous allons débattre de notre texte d'orientation, de nos statuts et de notre nouvelle direction. Un débat dense. Il y a 800 camarades qui sont actuellement dans la salle juste à côté pour en parler. Et nous sommes ravis de vous accueillir ici en direct. Nous allons, au cours de ce congrès, faire plusieurs émissions tous les jours pour vous le faire vivre maintenant, sans plus attendre, ce 39e congrès du Parti communiste français. Vous toutes et tous qui êtes gorgés d'espoir de changement, vous toutes et tous qui continuez de rêver à plus de fraternité humaine, d'égalité, de respect, autant pour l'être humain et la planète, je vous le dis, vous êtes ici, chez vous. Marseille, cette belle ville avec vous, qui est si beau, si beau, si heureux, et ça se voit, ça se sent. Alors, à vous tous qui nous rejoignez de toute la France, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue parce que vous êtes ici, chez vous, dans ce grand rassemblement qui vous tend les bras et qui vous ouvre les bras. Alors allons-y, vive la France des jours heureux, vive la République. Vive la France, tous ensemble. Alors sans plus attendre, nous accueillons notre premier invité. Il nous accueille chez lui, ici à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, dont il est le secrétaire fédéral. Il est aussi sénateur et on est ravis de l'avoir comme premier invité. Salut Jérémy. Salut Julia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon alors, ce congrès à Marseille, ce 39e congrès, c'est quand même un événement, et pour vous localement, mais nationalement, c'est un message très fort. Oui, 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 à plus d'un titre. Premièrement, parce que ça faisait 23 ans qu'il n'y avait pas eu un congrès qui était en dehors de la région parisienne. Donc, c'est déjà en soi un événement. Ça faisait 102 ans qu'il n'y avait pas eu un congrès à Marseille. Que le dernier congrès de Marseille était en réalité le premier congrès de notre parti en 1921. Et donc, c'est évidemment pour nous un honneur et un véritable plaisir, pour le coup, de pouvoir accueillir ce congrès-là. Marseille qui est devenue aussi ces dernières années avec le lancement de la caravane des jours heureux l'été dernier, avec le premier grand meeting de la campagne présidentielle à Marseille, un lieu aussi où nous aimons recevoir les grandes initiatives du parti et donc nous sommes très heureux d'accueillir presque 700 congressistes pour ces 4 jours. Et donc ça vous a demandé un effort militant certain, il y a des centaines de camarades qui sont mobilisés pour faire vivre cet événement, ça dit aussi de la force du Parti communiste ici dans les Bouches-du-Rhône. Et effectivement, j'ai presque honte de le dire, mais c'est une réalité, nous avons été obligés de dire à un certain nombre de camarades que nous avions déjà comblé l'ensemble des besoins et qu'ils ne pourraient malheureusement pas venir aider ou soutenir. C'est signe d'une bonne vitalité de notre parti sur le département, mais aussi signe d'un enthousiasme des camarades des Bouches-du-Rhône à la tenue de ce congrès sur notre département, dans notre territoire, dans un contexte en plus qui donne envie de se mobiliser. Justement, tu en parlais dans ton intervention en introduction du congrès. Ce congrès, il est en plein mouvement contre la réforme des retraites. Le Parti communiste s'est pleinement investi dans cette bataille. Et en quoi ce contexte va influer et nourrir les travaux des 800 communistes réunis ici à Marseille ?
Bah, si tu veux, le danger, en réalité, c'est d'avoir un congrès, une préparation de congrès pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, où les communistes se retrouvent en fait en conclave, un peu dans leur bulle, coupés de la société pour réfléchir sur un texte d'orientation. Et ça, c'est le danger que nous disons à chaque congrès. Or là, il y a une situation qui fait éruption dans les travaux de préparation de notre congrès, la situation sociale contre la réforme des retraites, qui alimente en continu la réflexion des communistes. Et ça, c'est, de mon point de vue, la meilleure chose qui pouvait arriver aux communistes dans le cadre de la préparation de ce congrès, d'être alimenté par ce qui se passe dans la société, mais aussi d'expérimenter ce qu'on dit au quotidien dans les luttes et dans ce que nous vivons à côté. Donc c'est cette juste articulation entre mouvement social et réflexion plus théorique qui a pu permettre aux communistes pendant maintenant 3-4 mois de travailler sereinement. Tu dis ce contact à la réalité, il y a une autre réalité qui est un peu moins glorieuse pour nous, c'est la montée du Front National, du Rassemblement National, pardon. Vous, à Marseille, vous savez ce que c'est, ça fait des décennies que le Rassemblement National est très fort ici. C'est quoi la perspective politique d'alternative qu'on peut commencer à tracer ici à Marseille à l'occasion de ce congrès? Yann Brossa disait dans son intervention, donnait un chiffre très intéressant, il dit qu'il y a les 3/4 des Français qui sont contre la réforme des retraites, mais seulement 1/4 qui sont prêts à voter pour la gauche. Ça dit la marche à franchir et l'enjeu à saisir. Je crois qu'il faut qu'on arrive, et Fabien Roussel le disait très justement, à changer notre logiciel. Nous n'avons pas vocation à être la première force d'opposition. Nous avons vocation à gouverner. Et je crois qu'il faut que nous arrivions collectivement à faire cet effort-là dans nos têtes, parce que bien trop souvent, la résignation s'est emparée du peuple de gauche dans son ensemble, pas simplement des communistes. Et donc l'idée que nous puissions demain être au pouvoir pour changer réellement les choses sur un programme de rupture, sur un projet de rupture, en rassemblant très largement, au-delà même des partis politiques, on le voit aujourd'hui avec la force de l'intersyndicale, on le voit avec les travailleuses et les travailleurs dans le pays, il y a une majorité potentielle qui peut se dessiner dans ce pays pour une rupture de transformation sociale. C'est tout l'enjeu, de mon point de vue, de ce congrès, et le Parti communiste français y contribuera à sa juste mesure. Alors, dernière question rapide. Les présentateurs de l'émission ont dit que Marseille était la première ville de France puisque Paris est un département. J'aimerais avoir ton opinion sur cette question. Opinion consensuelle, s'il te plaît, Jérémy. Évidemment, je ne dirai jamais de mal de mes camarades. Et vu que mes camarades ont dit ça, je ne les contredirai pas. Merci en tout cas et merci de nous beaucoup. Accueillir. Et donne le salut fraternel à l'ensemble des camarades qui sont ici mobilisés. Merci beaucoup. Ce sera fait. Merci. Merci beaucoup, Jérémy. Alors, Jérémy vient de le dire, nous sommes en plein cœur du mouvement social, en plein cœur de la lutte contre la réforme des retraites, et il y a un certain nombre de syndicalistes qui viennent ici témoigner. On a eu la chance d'avoir Pascal Galeoté, il est le secrétaire général de la CGT portuaire. Il a tenu à nous délivrer quelques mots en introduction de ce congrès. Je vais vous adresser les salutations fraternelles de notre fédération CGT des ports et docks, ainsi que du syndicat général du Grand Port Maritime de Marseille et de Fluxelles, port pétrolier, que j'ai l'honneur de représenter et dont le mouvement de grève reconductible et exemplaire des travailleurs a permis de laisser en attente depuis plusieurs semaines plus de 73 navires d'hydrocarbures dans le golfe de Fos. Alors, on avait Pascal aujourd'hui. Demain, nous aurons un message de Sophie Binet et nous avons la chance d'avoir la présence de Laurent Brun tout au long de ce congrès. Nous sommes ravis, ravis. Et la voix des syndicalistes résonnera. Il y a une autre voix qui se fait entendre aussi et qu'on aime bien. C'est une voix qui nous rajeunit, nous donne de l'énergie. C'est celle qui se cache derrière un chiffre. Ce chiffre, il est simple, c'est 1800. 1800, c'est le nombre d'adhésions qu'a fait le Parti communiste depuis le début de l'année. Il y a une dynamique d'adhésion, de nombreuses personnes nous rejoignent et il y en a deux qui ont accepté de venir témoigner et nous expliquer pourquoi ils ont rejoint le Parti communiste. Alors, je vous présente Martin et Mathilde. Il y en a un qui est du Pas-de-Calais, l'autre du Puy-de-Dôme, deux très beaux départements. Et je vais commencer par Mathilde en te posant une question toute simple. Pourquoi as-tu rejoint le Parti communiste français? Et si tu peux parler en mettant bien le micro, ça sera parfait. Alors, j'ai déjà commencé par adhérer à la JC en 2016, lors de la loi travail, donc aussi du fait d'un historique communiste dans ma famille. Et puis, j'ai fini par adhérer au PC en 2022, donc l'année dernière, à la suite des résultats des présidentielles. Donc, après avoir fait la campagne, je pense aussi qu'il y avait une certaine frustration
de ne pas vouloir que ça s'arrête au lendemain des résultats. Donc j'ai pris ma carte à ce moment-là. Merci. Et toi, Martin, alors pourquoi as-tu pris ta carte ? Bonjour. Bah alors du coup, j'ai pris ma carte à la suite du meeting de Fabien Roussel pendant sa campagne présidentielle. Et c'est là où vraiment j'ai adhéré complètement aux propos, au programme qu'il portait. Et donc j'ai décidé de moi aussi m'investir dans cette campagne et puis par la suite la campagne législative. Et t'attends quoi du Parti communiste ? Qu'est-ce que tu voudrais que le Parti communiste apporte ? J'attends qu'elle continue ses batailles sur, par exemple, la valeur qu'elle porte notamment sur le travail, défendre les salariés et mettre l'humain d'abord. Et ensuite, qu'elle affirme encore plus sa volonté de paix dans les conditions qu'on vit actuellement. Et toi, Mathilde, qu'est-ce que ça te fait d'être au Parti communiste ? Est-ce que tu te sens communiste et qu'est-ce que tu attends ? Parce que est-ce que c'est pas un peu saugrenu d'être au Parti communiste en 2023 ? Bon, alors après, tu viens du territoire d'André Chassaigne. Alors, il y a des arguments. Mais bon, alors, ça fait quoi en 2023 d'être une jeune communiste ? Effectivement. Bah, je dirais qu'en 2023, être une jeune communiste, c'est aussi être entendue en tant que jeune. Et ce que vous disiez, le nombre de jeunes, aujourd'hui au congrès du PCF est plutôt énorme. Et je suis étonnée qu'il y ait autant de jeunes. Et je pense aussi que c'est en écoutant la voix des jeunes et en s'inspirant de leurs revendications principales que sont actuellement, je pense, la lutte féministe, la lutte écologiste, antifasciste également. Et en faisant bouger les lignes, en écoutant les jeunes, que derrière, il y a plus de jeunes qui peuvent s'intéresser au parti. Et je pense que du coup, on est dans une bonne dynamique. Qu'il faut poursuivre. Ben merci beaucoup à vous deux et bon congrès. Retournez donc en séance de suite au lieu de faire banc vide, la chaise vide. Et merci à vous d'être là. On va un petit peu bousculer le déroulé de l'émission, mais parce qu'il est là et qu'on est content de l'avoir, je vais demander à notre secrétaire national député du Nord, Fabien Roussel, de nous rejoindre. Tu t'assois où tu veux. Il était en duplex depuis pour France 3, pour le JT de France 3, donc on est ravis de l'avoir. Fabien, assieds-toi, prends le micro. Accroche-toi, c'est pas parce qu'on est proche de la Méditerranée qu'il faut que ça tangue. Fabien, tu as ouvert ces travaux. C'est quoi les grands enjeux pour toi de ce congrès une fois que tu auras trouvé ta stabilité ? C'est quoi les grands enjeux de ce congrès pour toi ? C'est 4 jours de débat, 800 communistes à Marseille. Pourquoi faire ? Les enjeux sont importants parce que pour deux raisons. D'abord, parce que nous allons définir notre projet pour la France, nos propositions. Et nous le faisons dans un contexte incroyable d'une crise sociale et démocratique importante, mais aussi d'une crise économique. Et je pense à la hausse des factures, l'essence, l'électricité, les prix de l'alimentation. On a besoin d'apporter des réponses fortes et de dire, voilà, nous, Parti communiste français, ce que nous proposons pour notre pays. Voilà, nous, la gauche, ce que nous devons mettre en œuvre ensemble pour le pays et pour la France. Donc ça, c'est important. Nous voulons gouverner. Comment nous le faisons ? Comment nous allons le faire ensemble ? Comment nous allons gagner ? Comment nous allons convaincre les abstentionnistes ? Voilà, c'est l'enjeu de ce congrès. Et puis, nous allons aussi, pour ça, voter la nouvelle direction du Parti communiste français. Et c'est pour ça que c'est le temps du congrès, c'est un moment démocratique important. On parle et contenu, direction, et ensuite, on y retourne, comme on dit. Je voudrais te faire réagir sur deux chiffres qui ont été publiés dans l'UMA. 83% des Français disent que la lutte des classes est une réalité. Il y a 80% qui pensent que la santé et l'éducation devraient être sortis de la concurrence et que 72% qui disent que les salariés devraient avoir plus de droits à l'entreprise. Est-ce que ça te donne pas un peu d'espoir ? Est-ce que ça te porte pas, toi, dans ton combat en tant que secrétaire national du PCF ? Quand j'ai vu ce sondage dans le journal L'Humanité, je m'y suis retrouvé, ça m'a tellement fait plaisir parce que ce sont des propositions que nous portons, que j'ai portées dans le cadre des élections présidentielles. Par exemple, demander aux salariés s'ils pensent que c'est bien ou pas, s'ils sont d'accord ou pas, que les salariés aient plus de pouvoir dans les entreprises. C'est pourtant une question qui ne vient pas comme ça de prime abord. Mais quand près de 80% des salariés sont d'accord avec ça, ça veut dire que dans le monde du travail, il y a une prise de conscience sur le fait qu'aujourd'hui, nous sommes dépossédés de notre travail. Nous n'agissons pas
sur, les choix de l'entreprise, sur la manière dont on crée les richesses, comment on crée les produits, comment on répartit ces richesses. Eh bien, les salariés, ils veulent participer à ces choix. Ça, c'est déterminant parce que pour nous, la 6e République, la démocratie que l'on veut instaurer, c'est celle qui devra commencer par les lieux de travail, parce que c'est là où, en fait, on prendra les meilleures décisions pour l'être humain, pour la planète, pour l'environnement, pour notre industrie, nos services publics, pour l'agriculture. Il faut pouvoir redonner du pouvoir aux travailleurs sur leur outil de travail. Ok, et tu dis, on est prêt à gouverner. On a vu, il y a un débat sur ça. Il y a des injonctions à des types de rassemblements. Toi, tu portes une vision large du rassemblement à gauche. C'est un des enjeux de ce congrès, de débattre de comment on fait pour accéder au pouvoir. Mais quand on est une force politique, on n'est pas là pour être spectateur ou pour être cantonné dans l'opposition ad vitam aeternam. Et nous, le Parti communiste français, on ne s'est jamais considéré comme une force d'opposition, mais plutôt comme une force de proposition. On propose, et l'objectif, c'est d'être utile et de changer la vie des gens, de changer en mieux, de pouvoir faire en sorte que chacun puisse vivre de son travail avec un vrai salaire et qu'après une vie passée au travail, on puisse avoir droit à une retraite paisible, avec une bonne pension et pas trop tard et pas quand on est cassé par le boulot. Et donc ça, c'est un projet de société. Notre objectif, c'est de le mettre en œuvre. C'est de pouvoir donc participer à un gouvernement, de gouverner le pays et de pouvoir mettre en œuvre des réformes de progrès. Les jours heureux, c'est ce que nous mettons en avant. Nous avons besoin de réformes heureuses dans le pays. Notre objectif, c'est de les mettre en œuvre et donc de gagner, de conquérir le pouvoir. Et nous avons la lucidité de dire que nous n'y arriverons pas tout seuls, que l'on va devoir s'unir, se rassembler. Eh bien, allons-y, travaillons à ce rassemblement. Et que l'on ne vienne pas nous dire avec tel ou tel, ou comme ci ou comme ça. Non, c'est aux Français de décider. Et c'est aux Français de décider ce qu'ils veulent comme programme, ce qu'ils veulent pour le pays. Et nous sommes à leur disposition. Et nous sommes à leur disposition pour construire ce projet, ce rassemblement et ce gouvernement. Okay. Dernière question un peu plus interne, un peu plus propre au Parti communiste. Je disais 1800 adhésions depuis le début de l'année. Il se passe quelque chose au PCF d'assez intéressant. Et toi, qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça t'apporte en tant que secrétaire national? Parce que tu es sur le devant de la scène, tu fais ton tour de France et tout. Et savoir qu'à côté de ça, il y a autant de gens qui nous rejoignent, j'imagine que pour toi, ça doit être quelque chose qui te porte. Mais c'est important de voir que les propositions que nous portons, la manière dont nous sommes présents dans le mouvement social en ce moment, rencontrent de l'écho. Parmi les salariés, les jeunes. Et c'est vrai que nous avons observé depuis le début de ce mouvement social 30% d'adhésion en plus par rapport aux années précédentes dans la même période. Ça veut dire que des gens trouvent utile le combat que nous menons, que le Parti communiste français est utile pour accompagner donc, les salariés et les syndicats dans cette campagne contre la réforme des retraites. Et c'est encourageant. Mais il nous faut aller plus loin. Moi, je serai un éternel insatisfait. 30%, c'est bien. 50%, c'est mieux. Et donc, l'objectif, c'est qu'on explose les compteurs et que demain, nous soyons une grande force populaire. Nous avons besoin d'être présents dans beaucoup d'entreprises, dans les quartiers, dans les villages, d'être le plus utile aux gens. On porte un combat pour la France, un projet de société pour la France, mais on est aussi utile localement et individuellement. Chaque militant, chaque militante communiste est... quelqu'un qui doit être utile pour aider les gens qui habitent à côté de chez lui, pour les salariés dans son entreprise, pour défendre un bureau de poste ici, une gare là. Enfin, voilà, on est utile localement et c'est ça notre combat. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux. Bah merci beaucoup, Fabien, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous. Et bon congrès. Je quitte le navire. Va dans la salle, t'es attendu. Vous avez compris, les amis, Fabien fixe des objectifs très ambitieux en termes d'adhésion et il parlait de cet ancrage local qui est une des forces du Parti communiste. Je suis très contente d'accueillir deux secrétaires fédéraux, deux secrétaires départementaux. Un est secrétaire départemental d'un beau département qui est le Val-de-Marne. L'autre est co-secrétaire départemental d'un autre très beau département qui est l'Ille-et-Vilaine. J'accueille Elsa et Ozer. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bon, alors, je ne veux pas vous dire, mais le chef, il vient de mettre une pression d'enfer. Donc, une campagne d'adhésion, une campagne de renforcement sera lancée après le congrès. Vous allez faire comment, les copains, pour mettre tous les camarades dans la bataille de l'adhésion? Peut-être, Ozer, tu peux commencer. Et après, Elsa. Oui, donc...
Il y a plusieurs sujets. On ne fait pas des adhésions pour faire des adhésions, mais on voit dans cette période intense de mobilisation sociale qui est en même temps une période de politisation extrêmement importante. Donc on voit bien aussi qu'il y a besoin de s'organiser dans la société pour combattre les injustices, pour combattre les inégalités et au-delà le rôle qui est le nôtre pour changer la société en profondeur, trouver le chemin d'une société émancipatrice, communiste. Voilà. Donc le défi des militants va être d'ouvrir cette discussion avec le plus grand nombre, d'aller dans les quartiers populaires, d'aller dans les entreprises, discuter et essayer de convaincre sur la nécessité qu'il faut s'organiser. Et s'organiser avec un parti politique, c'est extrêmement essentiel. Et toi, Elsa, peut-être encore plus compliqué de faire, que de faire adhérer des Val-de-Marnais. Comment tu fais adhérer des Bretons au Parti communiste et particulièrement des Rennais ? Bah, écoute, ça fonctionne déjà très bien puisque depuis le début du mouvement social, quasiment à chaque manifestation, on a une, deux nouvelles adhésions. Donc on va continuer dans ce sens-là, on va continuer à être très présents et présentes dans le mouvement social. On a une initiative d'ailleurs à la FEDE la semaine prochaine pour en solidarité avec les grévistes où on va inviter autour d'un moment convivial toutes les personnes qu'on a pu rencontrer dans le mouvement social, donc des gens avec qui on a pu déjà discuter et à qui on aimerait justement inviter à nous rejoindre. Et par ailleurs, effectivement, comme tu l'as dit, dans des campagnes locales, des campagnes concrètes, on veut lancer une campagne sur les mobilités et puis cibler aussi, je l'ai dit dans une intervention tout à l'heure, on veut féminiser notre parti aussi. Et pour ça, cibler des entreprises, des lieux de travail où il y a particulièrement des femmes, avoir des campagnes spécifiques, parler de la spécificité des retraites pour les femmes. Donc voilà, on a plein de chantiers à engager. Garde le micro, Elsa. Je suis très contente d'avoir deux jeunes dirigeants du Parti communiste. Bon, une plus jeune que l'autre, hein, tu m'excuseras aux airs. Mais j'ai envie de vous dire, un peu par provocation, vous êtes donc tous les deux secrétaires fédérales. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes mis dans cette galère ? Pourquoi on accepte d'être secrétaire départemental de façon plus sérieuse ? Vous avez accepté de prendre des responsabilités importantes. Quelles ont été vos motivations, Elsa ? quelle motivation. Déjà, j'ai été très honorée que les camarades pensent à moi. Et puis, on a une équipe très soudée, très motivée. Donc, forcément, on se dit qu'on n'y va pas tout seul, qu'on a toute une direction départementale avec nous. Et puis moi, je pense aussi que je parlais de féminisation à l'instant. Les femmes au sein du Parti communiste, on a beaucoup à y apporter. Et du coup, il est temps, et on est nombreuses à le faire, à se retrousser les manches et prendre en charge des responsabilités pour encourager d'autres à le faire. Donc voilà. Et Ozer, toi, pourquoi tu as accepté ? Oui. Parce que je précise, excuse-moi Ozer. Alors Ozer, il était avant secrétaire de section de Villejuif. Villejuif, c'était une ville qu'on avait perdue au municipal. Et par le travail acharné de terrain, nous avons réussi à regagner la ville avec un excellent maire qui s'appelle Pierre Garzon et qu'on salue. Et je sais que tu me disais, on en parlait, ça a beaucoup nourri quand même ton voyage politique vers tes responsabilités actuelles. Oui, absolument, parce que j'avais refusé, entre guillemets, d'être secrétaire de section pendant 2-3 ans. Je ne voulais pas prendre cette responsabilité parce qu'elle me paraissait trop importante et trop difficile. Néanmoins, je l'ai accepté d'une part parce que les camarades me faisaient confiance, donc ça, c'est un élément déterminant. Et par ailleurs, rendre un peu au parti ce qu'il m'avait, lui, apporté dans ma construction personnelle, dans mon émancipation intellectuelle, etc. Et au fur et à mesure, j'ai accepté d'être secrétaire départemental parce que les camarades m'ont sollicité, parce qu'on avait de grands défis dans le Val-de-Marne, très, très clairement. Donc nous avons eu plusieurs élections très difficiles, avec des pertes de villes en 2020, du département en 2021. Et j'ai voilà. T'as sauté, t'y es allé, il fallait y aller prendre des responsabilités. Voilà, il fallait y aller. En quelques mots, dernière question rapide, vous attendez quoi de ce congrès ? Vous êtes venu avec des grandes délégations, avec vos camarades, mais vous, en tant que secrétaire départementaux, c'est quoi pour vous l'enjeu principal du 39e congrès du Parti communiste français ? Question large, je sais, mais réponse succincte et précise, s'il vous plaît. Ouais, je pense qu'on a engagé une étape forte au précédent congrès. Moi, j'ai adhéré en 2017, donc juste avant. Et on voit que ça bouge beaucoup. Et il faut vraiment tirer le bilan de ces premières années et engager la deuxième étape de ce parcours, de cette démarche. Et pour être précise, je pense renforcement. Donc renforcement...
par le nombre de militants, de militantes, par la formation, par la politique de cadre et par des campagnes offensives. Merci. Ozer, en quelques mots. Moi, mes attentes sont extrêmement importantes. Effectivement, 38e congrès, 39e congrès, c'est le début d'un commencement pour, dans un contexte historique, on voit bien que le capitalisme n'est ni la fin de l'histoire, ni en même temps en capacité de répondre aux immenses défis de l'humanité. Donc, ni sur la question écologique, ni sur l'émancipation des êtres humains. Ce que j'attends, c'est d'avoir un parti communiste qui s'assume, qui assume son rôle dans la société, qui nourrit la bataille des idées de façon extrêmement forte. Moi, je fais un lien entre la campagne présidentielle de Fabien, où nous avons parlé de travail, du rapport au travail, du sens du travail, de travailler mieux et moins, et le mouvement social actuel. Je veux dire, dans la bataille d'idées, il y a un enjeu de politisation, et c'est le rôle du Parti communiste, et il faut qu'il soit encore plus et mieux structuré et plus renforcé. Fort, voilà. Merci en tout cas Ozer et Elsa. Retournez dans les travaux et puis bon courage dans vos fonctions respectives. Alors on arrive à nos derniers intervenants, mais pas des moindres, et je suis très très fière de les accueillir parce que le Parti communiste c'est aussi et avant tout un parti internationaliste et c'est ce qui fonde son histoire. Et je vais demander à Charlotte Balavoine et à Walter Bayer de nous accueillir. Charlotte se charge des questions internationales au parti et Walter qui parle un français parfait est le président du Parti de la gauche européenne. Bonjour à vous deux. Je suis vraiment très contente de vous accueillir. Walter, je suis très, très, très contente de t'accueillir sur cette émission. Tu me permets, Charlotte, je commence les questions à Walter. C'est quoi le message que tu es venu délivrer aujourd'hui en tant que président du Parti de la gauche européenne aux congressistes du Parti communiste ? Oui, le message plus important est la solidarité européenne avec les ouvriers et les ouvrières en lutte contre la réforme macronienne, parce que c'est une lutte européenne. En effet, il y a des luttes en Grèce, en Espagne, en Portugal, en Allemagne, et la fonction, la tâche du parti de la gauche européenne est de mettre en place l'unité et la solidarité entre les mouvements sociaux en Europe et les syndicats et les partis de la gauche politique en Europe. Charlotte, le parti, je te le disais, il est internationaliste par essence. PCF, internationalisme, c'est lié. Tu peux, c'est quoi le rôle? Quel rôle joue le Parti communiste, notamment au PGE? Quel est son cœur battant au niveau de la solidarité internationale? C'est quoi? Bah, je pense que tu l'as très bien dit, c'est l'internationalisme, ça fait partie des fondements du Parti communiste français. Après sa création en 1920, la première grande campagne a été contre la guerre du Rif, c'est dire si ça remonte à loin. Et depuis, le Parti communiste français n'a eu de cesse de défendre l'émancipation des peuples contre la colonisation et la colonisation française en premier lieu en Afrique et l'émancipation des peuples, que ce soit au niveau national, au niveau européen ou au niveau international. Donc aujourd'hui, on a différents leviers d'intervention, différentes plateformes de discussion au niveau européen et international. On est membre du Parti de la gauche européenne, tu viens de le dire, depuis sa création. On participe également aux réunions des partis communistes et ouvriers au niveau européen et international. Et puis les différentes organisations, je pense à la jeunesse communiste, participent au niveau international, à la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique. Mais tout ça fait que notre cœur de cible, c'est vraiment cette question de l'émancipation humaine. Et pour ça, il faut une solidarité. Je crois que Walter vient de le dire très, très fort, on est dans un mouvement social aujourd'hui qu'on n'a pas vu depuis très longtemps en Europe et en France. Et pour donner juste un exemple, lors de la mobilisation de jeudi, en soutien aux travailleurs français, les raffineries en Belgique ont fermé et les camarades belges ont refusé de livrer l'essence et le pétrole pour qu'on voulait prendre en Belgique parce que les raffineries en France étaient fermées. Mais ce type de solidarité, ça fait aussi partie des choses qu'on doit développer au niveau politique, au niveau européen et international. Walter, j'ai une question. Dans un an à peu près, un peu plus, je crois, il y a les élections européennes. Ça va être un grand enjeu. Ça va être quoi l'engagement du PGE? Quel projet va porter le PGE et quelles idées va-t-il défendre dans le cadre de ces élections qui sont très prochaines? Oui, à mon avis, ce sont trois sphères qui sont adressées par le PGE.
Premièrement, c'est la défense du niveau de vie des peuples en Europe. C'est pas une chose simple parce qu'il y a très différents niveaux de vie dans les différentes régions de l'Europe. Ça veut dire que le PGE doit mettre en surface les buts communs qu'on peut formuler pour être valide dans les différents contextes. Deuxièmement, nous sommes dans une situation de transition. Nous avons besoin d'une transition écologique, une transition des systèmes de mobilité et énergétique. Et il faut faire cette transition dans un style que les peuples, les salariés, les travailleurs et les travailleuses soient les protagonistes de ces processus. Sans démocratie, aussi au niveau européen, cette transition ne fonctionnera pas. Et troisièmement, le PGE doit être un parti de la paix. Et c'est une question très, très urgente. Nous sommes dans le contexte de la guerre en Ukraine pour un cessez-le-feu immédiat. Nous sommes pour des négociations. Nous n'avons laissé aucun espace pour un malentendu. Les responsables pour les désastres, c'est la direction de la Fédération russe. Mais en dehors de cela, il faut ouvrir une discussion sur un système sécuritaire en Europe qui ne peut pas être basé sur l'extension de l'OTAN, par exemple, parce que ce sont les alliances militaires qui maintenant créent un immense danger pour la paix, s'y inclut la sécurité nucléaire. Merci Walter. Dernière question pour Charlotte. Charlotte a eu la chance de faire partie de la délégation qui s'est rendue à Cuba avec Fabien Roussel. Faudra que tu me dises comment tu arrives à être dans ces délégations. Je veux en être, mais de façon plus sérieuse. Il y a un vrai projet du Parti communiste qui est un projet de solidarité avec le peuple cubain. Et tu vas avoir la charge de coordonner ça, en tout cas de suivre cette question-là. Est-ce qu'en quelques mots très rapides, tu peux nous en parler de ce geste de solidarité des communistes français vis-à-vis du peuple cubain? Alors oui, effectivement, j'ai eu la chance de faire partie de cette délégation en décembre dernier. Le camarade ambassadeur de Cuba en France interviendra demain au Congrès pour parler aussi de la situation qui est très compliquée à Cuba. Et pour vous donner un exemple, depuis le début de la pandémie, 243 mesures supplémentaires au blocus ont été adoptées par l'administration Trump et maintenues par Biden, qui fait qu'aujourd'hui, on n'a jamais été face à une situation autant d'asphyxie de Cuba. Le Parti communiste français, on a la caractéristique d'avoir été une des premières organisations politiques au niveau mondial à apporter notre solidarité à la révolution cubaine depuis 1959. Et je pense que cette solidarité-là, il faut aujourd'hui qu'on lui donne une nouvelle ampleur, un nouveau pas, un nouvel élan. C'est ce qu'a annoncé Fabien Roussel lors des vœux du parti et au Conseil national. Et c'est ce que l'on va lancer à l'issue de ce congrès. Une grande campagne de solidarité politique pour la levée du blocus et le retrait immédiat de Cuba de la liste des États sponsorisant le terrorisme. Mais aussi une solidarité concrète, matérielle, financière, où on va développer tout le réseau que l'on peut avoir au niveau national avec les associations, syndicats et les élus locaux qui vont jouer un grand rôle là-dedans. Donc, j'en ai déjà discuté avec Philippe Rio tout à l'heure justement. Et pour faire valoir la coopération, pour faire valoir des accords de partenariat, de coopération, d'amitié entre les villes françaises et Cuba, et apporter notre solidarité de façon très concrète à ce peuple cubain qui lutte encore et toujours contre l'impérialisme américain. C'est un super beau projet. Merci à vous deux d'être venus pour notre émission. Nous, on se retrouve, comme je vous l'ai dit, demain à 11h pour avoir un petit peu l'actu du congrès et à 19h pour l'émission de 19h. C'est facile, moyen mémotechnique assez facile. Et là, nous aurons des invités, des débats, des témoignages de ce qui s'est passé dans la journée de discussion de notre texte d'orientation. On vous donne donc rendez-vous demain. Et d'ici là, portez-vous bien.